Et salut les amis. Bon ben encore sur le vélo, ouais. Vous avez vu, je tiens bon, assiduité. Malgré qu'hier soir j'ai fait la fête. Je suis couché tard. Du coup je me suis pas senti d'aller rejoindre les collègues. J'ai dormi, j'ai fait la grasse mat. Mais je suis quand même arrivé à sortir. Bon, c'est 11h. Hein, j'ai vraiment fait la grasse mat. Donc voilà, ça va pas être une grosse sortie. Mais vous voyez, la motivation est là. Parce que je me force à sortir histoire de garder le rythme. Alors du coup, on se retrouve, on est parti au Fenouillet. Et vu que ça va être une petite sortie, au lieu de se prendre les grosses pistes pour monter, ben, on va monter par les petits singles, histoire de se taper un petit peu dedans. Allez, ça part de là. Allez, du coup, tu vois, j'ai pas menti, ça part direct en montée cardio. Il n'y a pas d'échauffement, mais bon, c'est ce qu'il va falloir aujourd'hui. Se fatiguer sur une montée, enfin sur pas long, parce que je compte pas rester jusqu'à 15h. Donc c'est vraiment, comme je le dis, de la motivation, histoire d'essayer de garder le rythme que j'ai pas, mais essayer de continuer dans cette motivation et de rien lâcher. Bon, mais c'est ce que je cherchais, tu vois. J'ai un peu de mal là-dedans, mais au moins ça va faire travailler. En plus c'est humide, donc il y a plein d'endroits qui glissent. Donc, pas évident. On garde pas le même rythme ni rien. Donc là, déjà d'entrée de jeu, je me suis tapé dedans, mais encore une fois, c'est le but. Petite sortie, très court, mais un peu plus intense. Allez, dernier coup de pédale qui va nous ramener jusqu'à la DFCI. Et là, on va pouvoir avoir un rythme un peu plus tranquille. Jusqu'en haut. Allez, le petit coup de cul de l'amour qui tue. Est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? Bon, facile. Oh merde alors. Aujourd'hui, easy. Ah ben, ça c'est bon ça, pour le mental. Allez, il reste plus que le petit bout sur la gauche. Et on est en haut. Allez, on est en haut. Oh ben, on aura fait quoi Dès le départ du sentier, on a dû faire 2 km, 2,5 km pour 200 mètres de dénivelé, c'est déjà pas mal. Maintenant, on redescend et puis tout choule ça à la maison. Allez, deuxième partie de la ludique. On m'a dit qu'elle était défoncée. Alors, on va voir. Quelqu'un que j'ai croisé en montant. Moins propre. Pour l'instant, ça va. Sûr que quelqu'un comme moi qui fait pas des chronos, je m'en tape. Ça me fait pas descendre plus vite. Au contraire, j'aime bien quand c'est comme ça. Mais j'ai une excuse comme ça. J'arrive pas à prendre des virages aujourd'hui. Il n'y a pas qu'aujourd'hui d'ailleurs. Passer un moment, ça allait un petit peu mieux. Attends, j'essaye de mettre en pratique ce qu'il m'a dit le moniteur, c'est l'été dernier, un petit peu plus en avant. Comme ça, on est bien le centre de gravité du vélo. Mais ça marche pas aujourd'hui, j'arrive pas à le coucher le vélo. Bah écoutez, pour l'instant ça va, c'est pas dégueu.
qu'après, si c'est pour tout mettre lisse, c'est rare qu'on va faire de la route. Hein. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Ça m'a pas chagriné. Oh, je commence à avoir des crampes. J'ai plus l'habitude moi de faire des longues descentes. J'ai les bras et les jambes. Ah ben ça là. Aujourd'hui, j'aurais pas fait péter un chrono, je te le dis. Ah bah écoute, je vais pas te dire je suis mécontent, j'ai mal de partout. Ah, ça m'a plus fait mal en descente qu'en montée. Oh, sans déconner, c'est loco. Aïe aïe aïe. Bon, et voilà, petite sortie vraiment tranquille. Enfin, vraiment tranquille. Pas longue, je veux dire, mais après, quand même assez physique parce que j'ai pris une belle montée bien, bien cassante. Ben finalement fier de moi en montée, beaucoup moins fier de moi en descente. Enfin, putain j'ai du mal. J'ai du mal et putain, mal au bras, mal aux cuisses, mal au dessous de pied quand j'arrivais pas là. Puis même prendre les virages, c'était pas terrible. Donc c'est toujours passant en descente. C'est vraiment dans le cil et descente aussi. Alors que j'en mange pour essayer de récupérer, d'être un peu plus à l'aise. J'ai jamais été un foudre de guerre, mais juste histoire d'être à l'aise et d'y prendre un petit peu plus de plaisir. Bon, enfin voilà, comme vous voyez, toujours motivé, j'ai la niaque, et même si c'est pas une grosse sortie, je me suis forcé, enfin forcé, j'ai trouvé l'envie de la faire. Allez, je vous dis à plus les gars, et les filles, et puis je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde.